بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 12 sur le cours des polynômes niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. Déterminez les deux réels A et B tels que P de x est égal à x moins A le tout carré moins B et P de x est égal à x au carré moins 16x plus 63. En déduire une factorisation de P de x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher les deux valeurs A et B. Et puis, vous allez en déduire une factorisation de ce polynôme. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Déterminant. A et B. Tout d'abord, je vais chercher la forme réduite de P de x et puis je vais utiliser la propriété que vous connaissez déjà sur l'égalité de deux polynômes. Deux polynômes sont égaux s'ils ont même degré et les coefficients des monomes du même degré sont égaux. On a P de x est égal à x moins a le tout au carré moins b, qui est égal, et je développe x moins a le tout au carré. Donc c'est x au carré moins 2xa plus a au carré, puis moins b. Et p de x, d'après les données de l'exercice, est égal à x au carré moins 16x plus 63. Donc, les monomes, ou bien les coefficients des monomes du même degré sont égaux. C'est-à-dire, moins 2a est égal à moins 16. Et a au carré moins b est égal à 63. C'est-à-dire, a est égal à moins 16 sur moins 2, qui est égal à 8. Et a au carré moins b est égal à 63. Autrement dit, 8 au carré moins b est égal à 63. C'est-à-dire a est égal à 8 et je déplace moins b à l'autre membre, ça donne b est égal à 8 au carré, c'est 64, moins 63 qui est égal à 1. Donc, vous voyez, j'ai trouvé A qui est égal à 8 et B est égal à 1. Donc, si vous voulez, P de X est égal à X moins A, c'est-à-dire X moins 8, le tout au carré, moins 1. Et maintenant, on va factoriser P de X. Donc, je vais remplacer 1 par 1 au carré. Ça donne l'identité remarquable numéro 3. Vous avez ici a au carré moins b au carré. C'est-à-dire p de x est égal à x moins 8. X moins 8, ça c'est a de l'identité remarquable. X moins 8 plus 1, facteur de x moins 8 moins 1. C'est-à-dire p de x est égal à x moins 7 facteur de x moins 9. Voilà, j'ai factorisé
P de x. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.